14h51 et on part. Donc on vous fait des petites photos. On vient de s'arrêter et là on s'aperçut qu'il y avait des petits chevreuils. Du coup là il y a tous les camions qui attendent pour embarquer sur le ferry qui va venir tout à l'heure. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est vraiment un truc très simple hein, avec tous les camions qui attendent là-haut. Donc là on est derrière. Du coup on est sur la partie plage. Donc là face à vous, vous voyez, c'est tout ce qui est pour le départ en Angleterre. Donc là on est sur la partie est comme ils appellent. C'est la partie où les animaux sont autorisés toute l'année. C'est juste pour vous le sachiez si vous voulez y aller un jour. Après vous avez la partie là, donc c'est la partie centre et la partie ouest. Qui là les animaux sont interdits complètement sur la période de juin à fin septembre. Et voilà, je vous fais une petite vidéo du bateau pour vous rendre compte de la taille. Je pense qu'il est à peu près la même taille que le Corsica Ferry, à peu près, hein. Au niveau taille. Je pense que c'est dans les mêmes proportions, je pense. Hein. Donc si vous connaissez celui pour aller en Corse, ça vous fera à peu près la même chose pour aller en Angleterre. Non, il fait demi-tour là pour à mon avis se mettre au hockey. Alors on est quelques secondes plus tard, il est en train de finir de se mettre à quai. Voilà, nous sommes à Villiers sur mer. Un dinosaure. Nous sommes à l'entrée de Deauville. J'espère que la petite vidéo vous a plu, c'était juste histoire de voir un peu. On a été faire un petit tour au bord de la mer, voir un peu comment c'était fait, car c'était une région qu'on connaissait absolument pas. Voilà, on fait un petit tour à Deauville et on rentre.